David, donc il y a le rassemblement d'aujourd'hui à l'hôpital de Laon. Tu peux nous dire quelle est la situation à l'hôpital de Laon et qu'est-ce qui explique la mobilisation des personnels? Alors, la situation à l'heure actuelle, elle est encore. Elle s'est beaucoup améliorée par rapport à tout ce qui s'est passé durant cette crise. Nos grandes difficultés aujourd'hui, c'est sur le manque de personnel auquel on fait face, de personnel qualifié, de personnel reconnu à travers les carrières. C'est-à-dire qu'ici à l'hôpital de Laon, on a quand même 30% de contractuels dans un hôpital public, ce qui est inadmissible pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est que le personnel vienne ici travailler à l'hôpital de Laon, il doit être reconnu, il doit être forcément fonctionnaire et doit avoir le statut de fonctionnaire. Et ça, c'est inadmissible ici. 30% de contractuels, c'est beaucoup trop. Comment s'est passée la crise du Covid à l'hôpital de Laon? Eh bien, la crise du Covid, on a fait face au manque de personnel avec beaucoup d'heures supplémentaires qui ont été réalisées. Aujourd'hui, le décret d'application pour le paiement des heures supplémentaires est passé. On va voir comment ça se passe avec la direction. Mais toujours est-il que ce n'est pas normal de devoir faire face en faisant des heures supplémentaires. Ça, c'est une situation illogique. On devrait le prévoir avant. L'État devrait le prévoir avant. C'est son rôle. Et, Donc, vous réclamez quoi exactement par rapport aux heures supplémentaires? Alors, nous, bien sûr, on demande le paiement, mais aussi que le personnel nécessaire soit engagé pour ne pas refaire face à une telle crise et être obligé de rappeler les gens sur des repos avec des cycles de travail qui n'existent pas, etc. Ça, c'est inadmissible.